J'ai souvent remarqué que la beauté sortait souvent de l'abîme. Vous savez, on appelle en araméen la beauté yofi. C'est quatre lettres. Hein. C'est le yod, donc c'est le vav pour faire le o, le p, la lettre p qui fait fait aussi, p, fait, et la lettre yod. Vous vous rendez compte, vous êtes entouré de deux yod. L'impression, c'est deux petites chandelles, voire deux chandeliers tenus par des angelots. C'est extraordinaire. Et vous avez ce vav qui, lui, est une conjonction de coordination, donc qui vous relie justement entre terre et ciel. Et ce P, c'est la bouche qui dit mais la beauté. Mais la beauté, c'est-à-dire la beauté se voit, la beauté se sent, la beauté se ressent, c'est à la fois un parfum, beaucoup plus que quelque chose de physique, puisque la beauté a une âme. Et en général, elle sort toujours des fonds, c'est pas des gens qui se maquillent toute la journée, ou des hommes qui se rasent, ou qui maigrissent, ou qui grossissent, ou qui... Non, non. Hein, ou qui valorisent un produit. Ouais. Ça, c'est tout, sauf la beauté. Ça, c'est de la publi-beauté, hein, on va dire. Donc là, on est dans un poème pur, un poème épuré. De l'abîme. L'abîme se dit en araméen théum, l'obscurité, hein, c'est un peu pour vous donner le vocabulaire de ce poème, se dit Osher. Hein, et voilà, donc c'est entre l'abîme, théum, hein, c'est ce fameux Teuvébohu, hein, qui va être le Tohubohu de ce monde qui va éclater, mais duquel va surgir la lumière, tout simplement. Hein. Osher, donc cette ombre dans laquelle on va rester dans l'ombre donc de l'Éternel plutôt que d'être à son image, parce que être à l'image de Dieu, ben, on n'a plus besoin de lui, donc on devient Dieu. Et puis vous voyez les catastrophes, et puis Dieu, ben, il pleure, quoi. Ben oui, je le vois que pleurer depuis que l'homme est à l'image de Dieu. Hein. C'est si d'ailleurs Dieu était à l'image de l'homme, je ne sais pas où on en serait. Donc. Mais enfin bon, hein, c'est un poème c'est une essence, c'est un parfum, c'est une grande vérité, un poème, hein, avec des mots simples. Mais vous savez, des mots simples, des noms simples, des gens simples, hein, on a toujours l'impression de banaliser un petit peu en disant sont ces gens très simples, hein, tout comme si on était à deux doigts de dire simplet, vous savez, c'est. Hein. Effectivement, moi je suis un homme simple, c'est vrai. Vous savez, comme tous ces corps simples, hein, de mémoire, vieux cours de chimie, de physique, de physiologie, bah, c'est l'or est un corps simple. Hein. Ah oui, le soufre, le plomb, tout ça, ce sont des corps simples. Hein. Le carbone qui va donner du diamant, c'est un corps simple. L'oxygène, l'hydrogène, ce sont des corps simples associés. Ils peuvent composer ou décomposer, ça c'est vrai. Alors, après tout, un corps simple, c'est un corps qui se suffit à lui-même. Avec la grâce de Dieu, il y aurait de problème. Bah, bien sûr, un diamant, il a la grâce de Dieu aussi. Bah, s'il n'avait pas les volcans pour le faire remonter, où est-ce qu'il irait? Hein? Demandez à Vulcain. La beauté sort souvent de l'abîme. Théum, théum, théum. Parfois de l'obscurité. Ô chair, ô chair, ô chair. Pour rejoindre la lumière, et il dit, pour rejoindre la lumière, et il dit, Vayomer. Pour atteindre les cimes et tant d'autres mystères, seul un appel divin le sort de sa solitude. Pour Abraham, ce fut l'homme de la multitude. Quand la beauté se boit des yeux, comme se goûte le vin, mais la tienne de beauté est un écho du ciel. Eh oui, celle d'un ange, eh oui, ou d'une lutte entre toi et une rose, qui sait. Vayomer, Vayomer, et il dit, de quoi? De Jacob, Israël, je te donnerai un endroit, qui sait, un pays de lait et de miel. On parle de ces époques antiques, de la Palestine, où tous ces gens vivaient en harmonie, eh oui. Il y a bien un moment où ils retrouveront cette harmonie en sortant de l'abîme. C'est ça la beauté. Théum, 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 qui va sortir de l'obscurité. Ô chair,
Ô chair, ô chair, enfin, les hommes vivront en paix, enfin, puisqu'ils ont toujours vécu en paix. La beauté sort souvent de l'abîme. T'es homme, t'es homme, t'es homme.